Bonjour et bienvenue dans cette démo de la NuVibe, une réédition de l'UniVibe selon le schéma originel qui avait été fait par Monsieur Fumio Mieda, qui a été associé à la conception de la NuVibe. Alors on retrouve l'effet mythique, l'effet tournant de l'UniVibe, donc avec deux modes, soit le mode chorus, soit le mode vibrato. Et puis, on a donc un réglage d'intensité, un réglage de vitesse, un switch de mise en fonction. Et puis ici, on a une série de sliders qui permettent d'agir sur la façon dont le LFO travaille et donc de changer la forme d'onde. Alors là, on a les repères de la forme d'onde originelle de l'UniVibe. Donc on a vraiment l'effet à l'identique. Mais si on a envie de bouger un peu, de changer un peu l'effet produit par la pédale, eh bien on peut s'amuser avec les sliders. Ici, on a un volume qui permet aussi d'attaquer un peu plus fort l'ampli et d'avoir cette espèce de crunch caractéristique de l'UniVibe aussi. Et puis, on a également une pédale d'expression ici qui permet de changer la vitesse au pied. Eh bien, écoutons ce que donne cette NuVibe et pendant l'essai, je vais varier la vitesse au pied. Vous ne me verrez pas toucher le bouton de vitesse, mais je vais me servir de la pédale d'expression, évidemment. On va maintenant voir comment le réglage d'intensité influe sur le rendu de la pédale. On passe maintenant en mode vibrato. Je vais maintenant manipuler les sliders pour influer sur la forme d'onde et puis à la fin je manipulerai aussi le volume pour que vous voyez ce que ça donne. Thank you.
La New Vibe est très fidèle à l'original, tout en rajoutant des options de personnalisation grâce au slider Wave que nous avons manipulé tout à l'heure. Et sur ce, je vous salue bien.